Le Bénin accédait à l'indépendance le 1er août 1960. Dans quel état d'âme était la population à cette époque? On n'avait pas conscience de tous les enjeux de l'indépendance. On était pris par l'euphorie, la joie de dire que nous sommes souverains, sans mesurer tout ce que cela impliquait comme engagement, comme travail pour assurer pleinement notre souveraineté et ne pas tendre la main aux autres pour continuer à vivre décemment. Donc ce qui veut dire que la conscience n'était pas encore aiguisée. Je venais à peine d'entrer au collège, c'est dans les APAT de 1976-68 que j'ai commencé réellement à militer et à prendre conscience de la situation réelle de mon pays parce que l'indépendance s'assume. J'ai commencé déjà à prendre conscience de ce que c'est que le colonialisme, de sa férocité. Oh, il nous entraînait d'ailleurs l'armée française qui ici, j'ai non loin d'ici, près du stade qui est là. Et il nous entraînait déjà dans les bas-fonds à côté pour peut-être aller continuer l'œuvre qu'ils ont en train d'entreprendre pour dominer l'Algérie et la guerre d'Algérie. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais on nous apprenait à tirer. Puis Lumumba, puis Nkrumah, puis Sékou Touré. Il y avait beaucoup de problèmes qui nous ont éveillés, qui nous ont fait prendre conscience. Et ça, il n'y avait pas de doute. La lutte contre la domination étrangère, contre la colonisation, était un élément qui nous préoccupait déjà. Bien qu'on n'ait pas encore les bourses qu'ils nous ont données pour aller, parce qu'il n'y avait pas de cadre, il fallait nous former rapidement pour remplacer quelques colons qui étaient trop visibles. Alors, mais nous étions conscients de ce qui se passait. La liesse était à son comble au lendemain de cette accession. Les témoins de l'événement s'en souviennent encore. J'étais avec des camarades. L'armée nous avait trouvé un car et on était en excursion. Donc on était entre Djougou et Savalou. Et à l'époque, la jeune armée avait pris l'initiative de nous aider par un car qui nous a permis de faire ce voyage-là et de nous organiser pour mieux connaître notre pays. Tout puisque nous avions l'avantage de traverser le pays, il y avait l'ambiance de festivité. Mais est-ce que nous et le peuple, on avait une conscience de tout ce qui se passait? Bien sûr, avec les événements du Ghana, l'indépendance du Ghana, avec l'assassinat de Lumumba, nous avons commencé à mieux comprendre et mieux apprendre. Il y avait cette effervescence, puisque d'habitude c'était le 14 juillet que nous fêtions, à partir de 1960, les défilés à Porte-Nouveau, à l'époque du palais, du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui le palais des gouverneurs. On sentait qu'il y avait des manifestations de réjouissance populaire. Et l'expression qui était en vogue à l'époque, imitée ou héritée des Togolais, c'est Abloné Gbadja. Cela signifiait que nous nous prenions nous-mêmes en charge, sans mesurer tout ce que cela impliquait pour nous en tant qu'engagement. Ce qui voudra dire que nous n'allons plus tendre la main ou nous n'allons plus attendre l'assistance de la France pour pourvoir à nos besoins. Ce n'est pas notre travail que nous devons pouvoir y arriver. Cela aussi, c'est une responsabilité. C'est nous qui devons choisir nos gouvernants qui ne seront plus imposé, puisqu'avant c'était le gouverneur que nous n'avons pas élu qui gérait la colonie en tenant compte des intérêts du colonisateur qui était la France. Or désormais, c'est un président que nous avons élu qui doit travailler pour préserver la paix, la stabilité, la prospérité collective. Mais cet engagement, dans l'euphorie de l'indépendance, on ne la mesurait pas trop, parce que cela signifiait que nous nous mettions résolument au travail. Quelques temps après,
les malentendus vont naître, les dissensions vont voir le jour, la tension va s'installer. La jeune indépendance va être secouée. Occasion pour les intellectuels de l'armée dahoméenne d'intervenir. Le chaos politique, l'affrontement entre les, surtout les trois grandes figures politiques du pays, n'a pas su donner une direction correcte à ces mouvements-là. C'était plutôt l'accusation de l'un par l'autre et le désordre que cela entraînait, les populations qui sont obligées de se sauver du nord et venir au sud et vice-versa, qui signifiait la politique à l'époque. Donc il n'y a pas une orientation politique claire. La démocratie du tiers exclu, puisqu'il y a eu la coalition à Piti, à Wanegbe, avec le Parti démocratique dahoméen, Wologede, qui écartait Maga, qui avait été aussi emprisonné dans les parages de Baïkon, ce qui naturellement crée des frustrations, puisque nos frères du Nord se sont sentis exclus du jeu politique. Là également, il y a eu coup d'État. Quand les jeunes cadres ont pris le pouvoir et qu'ils ont traduit ça après en 68 au président Zissou, le président Zissou a écarté les anciens responsables du jeu politique à Omanegbe, à Piti, Maga. Ça a donné naissance également à des frustrations, coup d'État. Les militaires ont pensé régler le problème en créant le conseil présidentiel pour réunir les trois présidents pendant au moins 6 ans, étant donné que le processus d'élection boycotté par les anciens présidents n'a pas permis d'avoir un président démocratiquement élu. Et avec le conseil présidentiel, chacun devait faire son tour de 2 ans. Maga du 7 mai 1970 au 7 mai 1972. À Omanegbe du 7 mai 72 au 7 mai 1974. À Piti du 7 mai 1974 au 7 mai 1976. Donc il y aura des élections en 1976. Les militaires prennent alors goût au pouvoir à l'époque, d'où leurs fréquentes interventions à l'appel de la classe ouvrière et de la population. Je crois qu'il faudrait se poser la question de coup d'État. Parce que je me souviens qu'à Port-Novo, puisque j'étais à Port-Novo, la capitale, le premier coup d'État a eu lieu le 28 octobre 1963. Et c'est parce qu'il y avait l'affaire Bouiki, un député qui aurait participé à l'assassinat d'un citoyen. Et il y avait les manifestations à Port-Novo, ce qu'on appelait Bukhoma. Et on criait « armée au pouvoir, armée au pouvoir, armée au pouvoir, armée au pouvoir ». Et l'armée n'était pas préparée, n'était pas prête à prendre le pouvoir, mais c'est à la demande populaire que l'armée a pris le pouvoir. Et 3 mois après, une nouvelle constitution a été adoptée. L'armée s'était retirée du pouvoir. L'armée est revenue après encore un autre coup d'État. Déjà en novembre 65, mais Kokaku Tairou, qui était le président de l'Assemblée nationale, est devenu chef de l'État, étant donné que le président de la République a été écarté, à Omanegbe, président du Conseil qui avait pris le pouvoir a été écarté. Mais quelques temps après, en décembre, le général Soglo est revenu cette fois-ci au pouvoir et était décidé à y rester, puisqu'il a été renversé à son tour 2 ans plus tard par les jeunes cadres de l'armée. Notre pays, où la conscience de la génération montante est suffisamment développée, n'a pas permis à la colonisation de s'asseoir tranquillement. Il y a tout le temps des manifestations, surtout il n'y a pas que la jeunesse, mais les syndicats, les mouvements de grève, etc. Tout cela fait que, en une heure de temps, nous avons fait, je ne sais pas, une demi-douzaine de coups d'État, hein. De 60 à 63, beaucoup de coups d'État, et
C'est pourquoi, pour juste remplacer un homme, etc. Et ça, les gens, tout le monde commençait à comprendre qu'à ce rythme-là, nous n'irons pas loin. Et dans l'armée, une jeunesse éveillée aussi est apparue. Elle ne savait pas très bien quel mouvement, quel chemin prendre, mais dans les rangs des jeunes, des personnes d'un certain âge, était posé le problème de la domination étrangère. Et ça ne tombait pas dans l'erreur des sourds dans l'armée. Surtout la nouvelle aile de l'armée aussi comprenait qu'il faut faire quelque chose pour arrêter cette danse macabre de nos aînés militaires civils, surtout les civils, qui conduisaient au coup d'État. Un coup d'État va mettre fin à la série, celui fomenté par d'autres militaires, avec à leur tête, entre autres, Michel Aipé, Janvier Assogba, Mathieu Kérékou. Le gouvernement militaire révolutionnaire installé va procéder à des changements radicaux. Tout le monde sentait la nécessité qu'il faut mettre fin au nom qui n'existe pas dans notre pays. Nous ne connaissons pas le Dahomey. On connaît Dahomey. Ça, c'est juste. Et un royaume qui a fait son œuvre et son temps. Mais le Dahomey, c'est une fabrication française. Et on leur a restitué leur truc le 30 novembre 1972. Et surtout, le 30 novembre 1975, on a mis fin au nom du Dahomey pour prendre un nom authentique de notre région où il y a eu une brillante civilisation, la civilisation du Bénin. La liberté pour le grand nombre, c'est de s'assurer son propre bonheur. La liberté n'a pas de prix. C'était la France qui décidait pour nous. Il y avait quelques intellectuels qui avaient la citoyenneté, qui pouvaient voter. Mais l'immense majorité des Dahoméens n'avaient pas droit au chapitre. Or, si je suis indépendant, je dois pouvoir dire les conditions que j'exige pour me sentir à l'aise et j'exprime ce choix par mon bulletin de vote pour que celui qui a aux affaires tienne compte de mes préoccupations. Et en cela, déjà, l'indépendance est très formidable. Même si nous sommes dans la misère, nous avons au moins la liberté et notre dignité. Nous avons la possibilité de choisir notre avenir et de prendre notre destin à main plutôt que d'être sous la coupe de quelqu'un qui en réalité exploite nos ressources pour s'enrichir, pour se développer, en nous laissant végéter dans la misère. Quel que soit ce qui arrive, les Béninois de plus en plus se rendent compte que c'est à eux-mêmes qu'ils reviennent de faire leur bonheur en ayant un œil vigilant sur ceux qui pensent que eux, c'est eux qui font notre bonheur et qui pillent nos ressources. Le Bénin est le précurseur et la vitrine de la démocratie sur le continent. C'est le pays où les autres viennent puiser les fondamentaux de ce système.